Bonjour à tous et à toutes, je suis Alessi, bienvenue pour la suite. Et j'espère cette fois-ci, je l'espère vraiment, la fin de ce premier chapitre sur Neverwinter Nights, Shadows of Endertide. La dernière fois, j'ai voulu faire un petit pack de dragons. J'avais expliqué tout au début dans une longue introduction le plan que je voulais faire, qui était simple. Basiquement, c'était on tue Yharn, ce qui enchaîne la récupération des artefacts. Sauf que j'ai un petit peu galéré pour trouver la cachette de Rhynia. J'arrive pas à prononcer son nom, ça m'énerve. Qui était remplie de gnolls, de prisonniers, qui était extrêmement grande. Et il se trouve que il nous reste cette salle-là qui m'a l'air possédée, qui m'a l'air emplie de ruines, emplie de beaucoup de choses. Et donc là, ça va être simple, ça va être de savoir qu'est-ce que quoi qu'on fait. Ouais, c'est. Allez, première porte. Vas-y, la rouge. La rouge. Avec plein de couloirs. Et des. Ah! D'accord. Donc la rouge. C'est des. Ah, c'est des couloirs. En fait, c'est que des couloirs reliés. Alors, du coup, une question me tarabiscote. Voilà. Parce que j'aime utiliser des mots un peu nuls. Le levier, il sert à quoi? Le levier ouvre les portes. Très bien. Ah non, ça a ouvert une porte. Ça a ouvert cette porte-là. D'accord. Ah, oui. Et là, il y a du. Là, il y a du strum. Non mais allô? Oui, bonjour. Allô, c'est voilà. Non mais ah, voilà. Là déjà, on a affaire à des ennemis assez assez forts. D'accord. Très bien. Bon, il y a des salles, il y a des. Je marche dans quoi en fait? Là, il y a des pièges partout. Ouais, il y a des pièges en fait. C'est ça le truc. Il y a des pièges partout. Est-ce qu'on va être parti pour s'ennuyer? Alors, on va voir un peu comment c'est fait cet agencement. Il y a des couloirs, il y a des petites salles ici, ici, par là. Et, a priori, des autres salles aux quatre coins de la zone. Ouais, je me prends des dégâts. Ça doit être en fonction de la zone où je suis. Exactement. Ah, et là, je ne prends plus rien, sauf que. Élémentaire de l'eau, bonjour monsieur. Veuillez aller vous faire. Ah ça, ils ont pas l'air trop forts. Non, mais oh, voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est? Mais là. D'accord. Y a des portes qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment. J'ai pas compris. J'essaie d'observer. Donc là, il y avait des portes qui se sont toutes fermées. D'accord. Je comprends absolument rien, mais j'ai raté des objets. Et ça a l'air d'être d'être salaud ce qui se passe. Ouais. Par ici. Ouais, à chaque fois que je change d'endroit, j'ai l'impression qu'il y a un piège. Ouais, ça a l'air d'être ça.
Il y en a encore une. Où ça? Là. Et là, il y a un. Il y a un bras zéro. Putain, mais non. Oh là là, mais il y en a combien? Il y a un bras zéro ici. Les feux de la connaissance. Ah, je crois savoir. Je pense avoir compris. C'est ça qui fait. Faire le tour risque d'être. Que le sol vous engloutisse. Mon attaque est sans effet. Non, d'accord. Bah nique. Faire le tour. Genre le tour comme ça. Je comprends rien, mais c'est à cause de ça que ça pue. Donc sa petite zone, ça doit correspondre à un bras zéro. Et c'est à chaque fois que je tourne et c'était pas là que je devais aller. C'était tout en bas. Dans l'autre sens. Ouais, donc par contre faut que j'aille extrêmement vite. Elle me remet une potion directe. D'accord. Ouais. C'est un peu con comme comme façon de faire. Et là, ce sont des dégâts de type R. T'as mis les bottes de loin, lui. Voilà, mais easy en fait. Milieu. Et oh. Ah, et là il y a quelque chose. Ouais, par contre, il va falloir qu'on se repose, que lui se repose. Ouais, ça, c'est, je comprends pas trop bien le délire, à part de tuer les quatre trucs qu'il y a là. Et d'ailleurs, là, il y a quoi? Oh, ça va être un truc tout con. Et ensuite, une énigme à résoudre ici. Mais après, quoi, je ne sais pas. Par contre, il y a un oui ou. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ouh, il y a rien du tout. Mais absolument rien. Là. Ouais. Que le sol vous engloutisse. Ça, c'est le vrai pouvoir. Ah, c'est de l'air, d'accord. C'est pour faire genre c'est un effet un peu spécial. Voilà. J'ai battu l'air. Donc après l'air, c'est le truc. Enfin c'est ça. C'est un peu débile. Je trouve ça un peu con et pas pas super instinctif. Ouais, je prends. Alors je prends les dégâts d'éclair. Tranquille. Ah non, donc là ouais c'est un couloir. Là. Xanos il prend tellement cher dans sa gueule. C'est violent. Bon.
prends juste une potion. Voilà, de toute façon c'est moi qui vais aller au cac. Et donc là ça va être celui de l'acide de la terre. Ah, c'est un golem. Ah, il a utilisé une potion, bien. Non, bien, bien. J'avoue que ça tape fort quand même. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, la porte est ouverte, donc. J'ai obtenu 300 d'XP et j'ai obtenu une babiole magique. Alors, déjà, je vais me reposer. Et je vais voir ce qu'est cette babiole. Non, ça, c'est une fiole d'acide. Oh, c'est le bordel. Là, là. Babiole magique. Alors, ce petit objet est constitué d'une étrange métal qui réagit à une légère aura de magie. Des petites inscriptions ont été gravées dessus, mais elles sont dans un langage ancien que vous ne reconnaissez. T'es sérieux? Ah merde, j'ai appuyé sur une touche un peu à la zob. Je peux pas. D'accord. Donc ça c'est fait et maintenant je vais savoir ça, le bassin enchanté. Alors, je vais essayer quelque chose, on va essayer dans l'ordre. Un ordre que j'aurais touché, donc examiner. Lancer la babiole de gens dedans. La babiole se dissout dès qu'elle touche la surface, le bassin se met à lire et bouillonne doucement. Ah! Les symboles sont faciles à reconnaître, une flamme, une goutte d'eau, une pierre, un petit tourbillon, et oui. Donc, essayons dans l'ordre. La goutte d'eau. Jette de contrôle des élémentaires de l'eau. D'accord. Ouais. J'appuie sur la, la flamme. D'accord. Une chatte. Oh, je peux. Sérieux? Si j'appuie sur les 4. Ah, je peux invoquer un élémentaire de l'eau. Ah, du lapis lazuli, ça c'est bien ça. Ah, ok, donc c'est. J'avais le choix. Bah, attendez, je vais charger la partie et voir ce qui se passe si je prends d'autres objets. Parce que là, en fait, c'est tout bidon. Je peux complètement invoquer un élémentaire. Par contre, la babiole magique, je l'ai perdue. Ah, je suis un peu triste. J'ai perdu ma babiole magique. Ah non, la babiole magique, ça me donne le droit de... Ça a une charge, je pense, qui me permet de donner un truc. Vas-y, si je prends ça. Ok. Tourbillon. D'accord. Et en fait, j'obtiens un truc. D'accord. Un objet d'invocation d'élémentaire. Bah écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, je choisis l'élémentaire. Et puis, on va voir ce qui se passe. Donc là, le hall antique. Ah, ah, j'ai oublié la carte. Ah, peut-être la fin. Ah, peut-être. Et l'orbe, Jna. Ma patience a des limites. La trahison de notre allié me pose problème. Mais Gnoll était... Il était votre allié. Votre incompétence commence à me faire douter du bien fondé de notre partenariat. En ce moment même, Megnol recherche ses kobolds. Une erreur de plus, Jna. Et votre vie sera aussi éphémère que la flamme d'une bougie en pleine tempête. Regardez ce que nous avons là! Impossible de mettre la main sur une bougie quand on en a besoin.
voyons qui ose pénétrer dans notre repère. Waouh. Grosse cinématique. Bonjour, je viens parler. Je veux parler. Messieurs, calmez-vous. Je viens parler. Vous avez fait montre de suffisamment d'astuces pour déjouer mes pièges et de force pour venir à bout de mes gardes. Voilà qui devrait être très intéressant. Me suis-je trouvé un nouvel ennemi ? Oui. Compte tenu de tous les dons que vous devez posséder pour avoir pu pénétrer à l'intérieur de mon repère, il serait dommage de devoir vous tuer. Peut-être pourrions-nous devenir amis ? Si vous me disiez qui vous êtes. Voyons. Maître des ombres. Ouh, vous d'abord. Oh là là, je me l'aime. Il y a... Non. Je suis là pour mettre un terme à vos destins malfaisants. Et oui, je sais, excusez-moi, j'ai pas eu d'autre choix. Vous êtes entouré de créatures maléfiques ? Bah, dites à quoi m'attendre avec vous. Oh. Oh oui. Ouais. C'est possible. Je suis en charge de plusieurs artefacts. Ceux qui ont été volés. Voilà. Alors. Je sais que t'as la dent. Est-ce que tu peux me passer la dent? Je t'écoute. Ah ah ah. Non. Non. Alors. J'ai pas envie de l'affronter. Donc du coup, adieu. Je t'aime pas. Non, je veux pas affronter un dragon. La vie est chiante, hein. La vie, c'est de la merde, hein. Merci. Bonsoir. Au revoir. Le chien. Salut. Voilà. Hors de question que je me batte contre un dragon. Où est la dent? Où est la putain de dent? Elle est où la dent? Elle est où la dent? Collecteur des glaces. Putain, mais je peux vraiment le tuer. Oh, il est là, la dent. Oh, parfait. Bon. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Ah, écoute. J'en sais rien. Bon. Voilà, on a tué le méchant. Là, il y a quoi? Il y a de la merde, il y a de la merde, il y a de la merde. Il y a toujours de la merde. Oh, il y a des trucs nuls, une bibliothèque nulle. On va quand même... Je n'ai pas eu envie de me battre contre le dragon, même si je... Alors, pourquoi j'ai une... Ah oui, j'ai une flasque de poudre... qui m'a un peu servi à rien. Tiens, d'ailleurs, toi... Oui, je vais te passer les bottes. Je vais te passer les bottes. Bottes de vigueur. Paf, au moins t'auras ça. Puis un sort. Un sort. Un sort. Puis tiens, des pierres du givre aussi, je pense que tu pourras utiliser. Et puis voilà. Et puis je pense que t'es bien. J'ai pas une ceinture. Ah si, j'ai une ceinture. Ah oui, tiens. Regarde, tu es tellement beau maintenant. Il te manque plus qu'une petite cape. Bon, ça c'est un problème de régler. Je pense qu'on peut dire que... we did it. Yes. Of course. C'est quoi ça? Azit. Salut. Oula. Oh putain, ça en bleu. Alors attends. Vous entendez des murmures dans votre esprit? Vous réalisez qu'avec le dire, vous parlez télépathiquement. Pourquoi tu as besoin?
Il y a un succès dans votre esprit, vous montrant une scène dans laquelle... Oh! Montrez vos potions. Ok, bon bah j'ai pas fouillé mais pas grave. J'ai ce qu'il faut et puis on va aller vite. Bon, j'ai perdu une potion de soin. Mais j'ai la dent. Alors, je vérifie juste que. Bon, la dent, je l'ai. Ça, c'est ok. Le masque, s'en fout. La vengeance de Tilmarov, voilà. Voilà. J'ai vaincu Tilmarov. Mais j'ai quand même essayé de buter le dragon. Parce que, je sais pas, elle me... Là, il y avait, en fait, il y avait un jeu. Il y avait... Je crois que c'était ça. C'était soit j'allais au nord. Soit j'allais au nord. Donc ici, j'allais voir Yaa, je m'associe avec elle pour tuer Tilmarov, qui est un dragon, mais ça je ne savais pas. Soit, comme j'ai fait, je la tue, je les tue tous les deux, soit j'en tue un, soit je tue personne, mais ça c'est plus compliqué. Oh, il y a un petit ours brun. Non, attendez, la corne. La corne. Là. La corne. C'est de la merde. C'est de la merde cette corne. Bref, ceci étant réglé, ce petit problème minime, n'est-ce pas, étant réglé et que un problème de moins. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est ce que j'ai vu dans cette cinématique qui était moins buggy que la première du début du jeu. Il n'y a plus qu'à aller revoir le dragon. On avance, on avance. On avance plutôt bien. Maintenant, j'espère que non seulement... Oh, c'était le même signe ésotérique. Je l'ai remarqué maintenant. J'espère maintenant que le kobold aura sa liberté, mais en plus... Et en plus, oui, que j'aurai le masque. Parce que... Non, il fallait griller au-dessus. Parce que c'est le masque. Le délicieux masque que je cherche. Alors, ça rame un peu du cul quand j'utilisais toujours le déplacement. Mais on y est bientôt. Après, ah oui, après, il faut que j'aille là. Il faut que j'aille là. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Je crois que je suis dans la bonne direction, ouais. Ouais, c'est la bonne direction. Alors, il m'a passé ça, mais ça servait à rien. Peut-être que, si vous faites un reroll, plus j'avance, plus je me dis qu'il fallait que je fasse un reroll. Mais bon, on va pas se mentir que c'est quand même plus simple. On va pas se mentir que c'est plus simple pour tout le monde. Donc, tac, le bloc. Le bloc, tourne la clé, et magie, téléportation, plouf.